le bâtiment abritant le marché de Saint-Lazare. Vous le savez tous, la polémique, l'actualité, c'est la démolition de ce bâtiment historique. Ce bâtiment qui vraiment était l'identité de Dakar, qui appartient à la ville de Dakar. Nous détenons l'état des droits réels. Le dernier en date que nous avons reçu date du 10 de ce mois 2021, avec le plan cadastral. Ce que je voudrais dire donc, c'est juste une information à tout le conseil municipal. Vous vous rappelez, lors du dernier conseil municipal, j'avais évoqué le problème de Saint-Lazare, parce qu'à l'époque, nous avions eu par la presse un appel d'offres et nous avions réagi par rapport à tout cela. Je vous ferai le point sur tout cela. Depuis son érection en commune, en 1871, pendant la période coloniale, jusqu'en 1933, date de la construction du bâtiment du marché Saint-Lazare, le patrimoine bâti classé de Dakar n'a cessé de se constituer dans le temps. Aussi, une tradition d'inventaire de classement, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. D'ailleurs, un arsenal juridique et réglementaire est mis en place pour la sauvegarde des monuments historiques et sites classés du Sénégal. La liste des monuments et sites historiques est établie par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé. Elle est notamment fixée par l'arrêté 27-11 du 3 mai 2006 et par l'arrêté numéro 88-36 du 12 septembre 2007, conformément à la loi 71-12 du 25 janvier 71, fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes, et son décret 2001-1065 du 11 décembre 2001, relatif à l'établissement d'un inventaire des sites et des monuments du Sénégal. La loi 2013-10 du 28 décembre 2013, portant code général des collectivités locales, responsabilise les villes sur la gestion et la sauvegarde du patrimoine historique classé du Sénégal, je dis bien. Ainsi, cette loi, à son article 170, confère les compétences suivantes à la ville: la surveillance et la conservation des sites et monuments historiques, la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques, la promotion de la culture nationale et locale. Le bâtiment principal de Saint-Lazare est construit en 1935 sur un titre foncier 4804 déca d'une contenance de 4170 m² appartenant exclusivement à la commune de Dakar. L'originalité de son architecture, rappelant l'architecture arabo-soudanaise de Tombouctou, au Mali, a motivé son inscription sur la liste des monuments et sites historiques du Sénégal. Depuis sa construction en 1935, le bâtiment principal n'est jamais sorti de la responsabilité de la ville de Dakar. Après l'incendie survenu le 25 octobre 2013, le préfet du département de Dakar avait prononcé par arrêté en date du 25 octobre 2013 la fermeture du bâtiment principal en vue de sa réhabilitation. Avec l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation et suite aux élections locales de 2014, conformément au décret 2014-926 du 23 juillet 2014, fixant les conditions de dévolution du patrimoine et du redéploiement du personnel des régions et des anciennes villes, et de l'arrêté numéro 398 PDDK du 6 août 2014, instituant une commission ad hoc, fixant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement des personnels de la ville aux communes du département de Dakar, l'arrêté 492 du 24 octobre 2014, portant dévolution du patrimoine de l'ex-ville de Dakar, ne cite pas Saint-Lazare parmi les équipements marchands transférés à la commune de Dakar Plata. Suite à l'annonce par voie de presse de la démolition imminente du bâtiment classé de Saint-Lazare, faite par le ministre de l'Urbanisme, le maire de Dakar a adressé une correspondance au président de la République en date du 30 juin 2020 pour l'informer du projet
de réhabilitation de ce patrimoine classé et de l'aménagement de ses abords initié par la ville de Dakar. Entre-temps, je dis bien entre-temps, le préfet a convoqué la commission ad hoc qui avait été instituée en 2014. Je ne sais pas si je comprends français ou non, mais selon mon entendement, une commission ad hoc a une mission déterminée qui, lorsqu'elle est faite, c'est fini, il n'y a plus de commission ad hoc. Et s'il faut convoquer, je pense, une commission ad hoc, il faut d'abord la créer avant de la convoquer, ce qui n'a pas été fait. Donc, le préfet a convoqué donc la commission ad hoc qui avait été instituée en 2014, fixant les conditions de dévolution du patrimoine et de redéploiement du personnel de la ville de Dakar à la date du 6 juillet 2020 à 16h à la préfecture de Dakar. Le 6 juillet donc 2020. Dès le lendemain, l'arrêté 089 PD DK en date du 7 juillet modifiant et complétant l'arrêté 492 24 octobre 2014 portant dévolution du patrimoine et du personnel de l'ex-ville de Dakar a été pris avec comme principaux points article 1er. L'article 1er de l'arrêté du 24 octobre portant dévolution du patrimoine et du personnel de l'ex-ville de Dakar aux communes du département de Dakar est complété ainsi de suite. Commune de Dakar Plateau, équipement marchand, marché Sandal. Donc, cette commission ad hoc qui a été créée et qui disait qu'il y avait une omission dans le premier acte à corriger, d'après le préfet, en attribuant ce marché Sandal à la commune de Dakar Plateau. Après un autre article pour donner à la ville de Dakar les équipements administratifs, hôtel de ville, building communal, services techniques communaux, centre de perfectionnement des personnels municipaux, équipements sanitaires à base d'eau, centre de dialyse, équipements sportifs, piscine olympique, équipements socioculturels, cimetières municipaux, centres socioculturels. Article 2, le personnel en service dans les infrastructures citées au point 20 de l'article 1er continue à relever de la ville. Finalement, la DESCOS a prononcé l'arrêt des travaux et servi des convocations au maire de la ville de Dakar et de Dakar Plateau. Le même jour et à 15h, le maire de la ville a déféré à la convocation de la DESCOS et a fait une déposition avec à l'appui tous les documents confirmant les droits de la ville sur cet élément de patrimoine classé, à savoir un état de droit réel au nom de la commune de Dakar, un extrait de plan cadastral, l'arrêté portant dévolution du patrimoine précédemment cité dans le texte, l'arrêté ministériel visant les éléments du patrimoine historique classé, la lettre adressée par Madame le maire et président de la République portant information du projet de réhabilitation de cet élément du patrimoine historique classé. Je n'ai jamais été notifié de cette nouvelle arrêté de dévolution donnant Sandaka à la mairie. Jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas reçu de notification. Donc, l'arrêté 089 PDDK en date du 7 juillet 2020, cet arrêté-là, donc, le préfet l'a pris le lendemain de la convocation de la commission ad hoc, où les 19 maires des communes de Dakar étaient présents dans cette réunion, où on a discuté pendant presque 2 heures de temps. Nous n'avons pas reçu de PV procès-verbal de cette réunion. Et c'est le lendemain, donc le 7 juillet, que cet arrêté a été pris par le préfet pour donc donner Sandaga à la maire de Dakar. Ensuite, la DESCOS a reçu une lettre du BAM. Et c'est là où j'interpelle le ministre de la Culture. Le BAM, donc, dans l'arrêté numéro 00122 MCC-BAMH, à sa date du 30 juillet 2021, avec avis favorable, l'autorisation de démolir le bâtiment classé monument historique. Le BAM, donc, a donné un avis favorable le 30 juillet 2021, presque un an après l'arrêté du préfet, en 2021, donc il y a un mois et demi. Toujours, l'autorisation numéro 00539 CDP en date du 30 juillet 2021 encore,
2021, portant démolition d'un bâtiment à RDC Mezzanine Terrasse à usage de marché sur le TF 4804DK situé à Dakar-Sandaga dans la commune de Dakar-Plateau. Toujours le 30 juillet 2021. Un autre arrêté, 0352 AD DKPLS, en date du 30 juillet 2021, troisième document. Toujours le 30 juillet 2021, portant approbation d'une autorisation de démolition d'un bâtiment. Le fait remarquable est que tous ces trois documents précités ont été rédigés et approuvés le même jour, le 30 juillet 2021. Trois documents, et chacun de ces documents devrait passer par un service, prendre du temps là-bas avant d'aller à un autre service. Ces trois documents ont été signés le 30 juillet 2021. Il y a aussi lieu de noter qu'à aucun moment de la procédure, la ville de Dakar, dépositaire du droit sur cet élément de patrimoine classé, n'a été informée de ces taxes-là. Parce que les taxes ne nous intéressent pas. Quand on a dit que les marchés revenaient aux communes, on est d'accord pour les communes. Mais ce bâtiment, c'est un bien de la ville. Nous avons le droit de protéger notre patrimoine. C'est cette bataille que nous menons. Et vraiment, je suis désolée de le dire, mais c'est un manque de considération, de respect vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis du conseil municipal de la ville.